Allez, de retour avec mon invité Amaury Vassili. Comment ça va, Amaury? Ah bah super bien. Ah bah voilà, on est toutes, oui, on vous écoute depuis tout à l'heure et on est passionné par ce que vous nous racontez, par votre histoire. Et puis, oui, c'est très intéressant. Vous nous donnez beaucoup de vous. Vous n'avez dit aucune bêtise. Et justement, on va continuer à vous découvrir puisque tout de suite, on passe à la séquence tac au tac. Le principe est simple. Je vous pose 10 questions et vous me répondez en 10 réponses courtes en 2-3 mots. C'est parti, on peut tenter l'expérience. Je suis pas très doué. 2-3 mots, Amaury Vassili. Ça va être dur. Bon, allez. On y va, c'est parti. Amaury Vassili, la recette de l'amour, c'est le partage. La personne que vous aimez le plus au monde? Ma compagne. Ah, si vous étiez un super pouvoir, vous seriez On réfléchit, quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Que je suis quelqu'un de gentil. À l'heure où je vous parle, vous ressentez quelle émotion? Je suis plutôt joyeux. La plus belle qualité humaine pour vous, c'est Ouais, ça va trop vite là, il y a le stress, il y a la petite musique. Vos trois grands kiffs du moment, vos trois grands plaisirs du moment. Oh là, les trois grands plaisirs du moment, chanter évidemment, mon fils. Et la pâte à tartiner. Non, mais oui, j'entendais la pâte. Non, quand même pas. Non. Ok, alors un troisième petit kiff du moment. Le troisième kiff, je sais pas là. C'est trop de stress, moi. Je être sur Radio J. Votre mot préféré, Amaury Vassili? Bien joué. Mon mot préféré. Je sais pas là. Vous me prenez de court. Je sais pas. Ce sera le mot préféré d'Amaury Vassili. Votre surnom, Amaury? Momo. Ah, c'est mignon. Votre philosophie de vie? Donne et tu recevras en retour. Donner, c'est parfait. Si vous étiez un super pouvoir, vous seriez? Je serais Monsieur Paix. Joli. La plus belle qualité humaine pour vous, Amaury Vassili? La bienveillance et... Ouais. Notre émission continue avec vous, Amaury Vassili. C'est compliqué. Allez, notre émission continue avec encore des questions pour vous, nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio G.